irons à la rencontre de ce monsieur-là qui a formé beaucoup de cadres du pays, monsieur Mahathir Ahmad Hamadi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, monsieur Mahathir, vous êtes enseignant à la retraite. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez du métier d'enseignant? Gestionner le tchat. J'ai habité, j'ai fait 2 ans. Au bataille, j'ai fait 2 ans. Donc, une année à Kunjuru en 73 et une année à Ouré. À Massagui, j'ai fait 3 ans. À Boutavi, j'ai fait 3 ans. Gaoui, une année. Durbali, une année. À l'école de centre de Fort-Lamy, j'ai mis 6 ans. Institut d'éducation musulmane, avenue Bokassa, actuellement Bélagir Hiba, j'ai enseigné 4 ans. École d'Arjuma, j'ai enseigné 3 ans. Sabangani, une année. Palace de Panda, une année. École Bololo, une année. Vous avez créé une école, hein, dites-vous, pour laisser comme héritage au pays. Nos compliments d'ailleurs. Parlez-nous un peu plus de votre école. Oui. Je sais que je suis père de plusieurs enfants. Donc je vois tout ce qui est devant moi, là, sauf que mes enfants. Il n'y a pas un homme qui a mon âge. Que mes enfants sachent que donner un mot, si par jour, pour 30 jours, tu as 3 mots, 3 lettres, pour 10 mois, tu as 300. C'est ça ce que je fais. Moi, la vérité, c'est que les gens ouvrent les yeux, entendent, et ça parle. Pas dire qu'ouvrir une école et rationner des gens, non. J'ai perdu une année à faire habiller tous les élèves de mon école. De 35 là, avec mes propres moyens. Avec mes propres moyens. J'ai payé les anciens avec mes propres moyens. Mon argent de retraite là, je viens et je paye les anciens. Jusqu'à ce que j'ai fini l'année dernière. Et c'est cette année que j'ai mis maintenant le cap pour que les enfants, les parents payent l'habillement des enfants. Payer le fonctionnaire, parce que je ne peux pas consommer, même l'État ne paye pas, ne laisse pas les gens, moi je ne peux pas payer. Félicitations, hein, et on souhaite bon vent surtout à votre école. On a cette habitude-là, souvent quand on rencontre des gens, de leur demander quelle est votre ethnie. Vous, vous n'aimez pas qu'on vous demande votre ethnie, pourquoi? Ethnie, nous sommes tous des Tchadiens. Vous regardez. Parler de l'ethnie, c'est parler de la division. C'est ce qui s'est fait maintenant. On ne parle pas de l'ethnie. Parce que vous, en parlant de l'ethnie, nous avons 253 ethnies au Tchad. Même le français, c'est un dialecte. Est-ce qu'un français peut parler le Kanungu? Il peut parler le Ngambal? Vous avez un ami à vous qui n'est plus de ce monde, hein, paix à son nom, monsieur Mahamat Ligita. Parlez-nous de cette amitié qui a duré très longtemps. Ah, cette amitié. Surtout par là que c'était un ami avec lequel il était vraiment lié, avec qui il a vécu énormément de choses, et c'est normal qu'il soit très ému aujourd'hui en pensant ma fille. Le 3 octobre 1955, 3 octobre, c'est l'arrivée au Khamsou Khamsin, école de centre, école de filles. École de la gendarmerie, c'est quand on fait aéroport, quand ils sont hôtel de l'école des clercs. J'ai Imam Malikita, Brahim Doudou, Jide Doudou, Araï Doudou, Lam Dungam, Dungam Telim, Mohamed Bagirmi, Mohamed Rabutu, Amara Touré. Siani, Manaha, Aïn, la mère de Kadar, Aïn, qui est beaucoup de l'aide, Aïn, Gabaïn, Indi, Etni, ou Indi, Khashim, Bui, de Manaf. Vous... Yeah, yeah.
ماما اللي جيتها قال لي ارحمه جرينا وجاي يجري فرنساوي لكن انا نجري مدرسه كل فرنسي في كل كلاب ونجي في انبسطنا بيتنا عروسه لذله بغرب لو ده مدرسه عربيه في نجري حياتي كله كملت في اثنين ولا نلعب بال ولا نمشي سينما ولا نلعب على الجيتا ولا نمشي في اي مكان اللي كان قاعد في الليل كله كان جمعنا خلينا نقوم نودي اخر عشان نفوت نفتح ايدي يا يوم واحد انا ما هرجنا يوم واحد ما هاجر قال ولا يا قال وجا مشي فيها كل نور في بنغور انا هنا من 1959 يوم بدور تعليم العربي يبقى في تشات عشان يجيب يال نور يقرا فرنسي ده سوينا له كونكور اين 550 بدور مننا 30 في ابيش سيدنا علي مبركه ابراهيم جباي البرئي بخاري عالم محمد باشر ابو الاحمد باشر في بلدن علي محمد سالم في ام حجر زين الدين احمد تبيك الجرام في ام مسال احمد تبيك في جوزبيده احمد دبك في مونجو عبد الله علي في ام تيمان جوني ابراهيم في مسنيا استاذ عاشور في كانيم محمد طاهر سالي محمد فكي محمد ثاني علاج حامد في مسكوري طاهر الدهيش في مساجد عمر محمد في فورلمينة عبد الرحمن عمر الماهي عبد الرحمن حلو عبد الرازق ادريس احمد دمان ابو بكر عبد الله قاسم مالو موسى عبد الرحيم جبريل الحر مصطفى ادريس جوني دنا جوني موسى وانا مهاجر احمد. C'est vraiment une... Vous affirmez aussi hein, pour qu'une amitié perdure entre amis, il ne faut jamais se prêter de l'argent. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a aucun sirr à la galbe, je ne sais pas. 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 C'est ce qu'on appelle l'amitié. C'est ce qu'on appelle l'amitié. L'amitié n'est pas d'amitié. L'amitié, ce n'est pas de l'argent. L'amitié, ce n'est pas l'ethnie. L'amitié, c'est quelque chose d'or, de cœur. J'ai gardé ça avec moi. Est-ce que vous vous souvenez, hein? Est-ce que oui. Vous vous souvenez de la première fille que vous avez aimée? C'était une Togolaise? Je ne peux pas vous citer la première fille que j'avais aimée. Mais je vais parler d'elle. Takubita, sa camarade, dont elle faisait l'école ensemble à l'école de filles, c'était Sarah Tombolbe. La première fille est Tombolbe. Ils étaient à l'école de filles. Nous étions à l'école du centre. Après avoir pris service, et alors, cette fille, c'est la fille de ma tante. Je l'ai suivi de CM1 jusqu'à CM2. J'ai fait tout. Mais hélas, hélas, ça n'a pas marché. Hélas, elle n'était pas ma première femme. Elle était mariée pour un homme aussi. Mais elle a fait que 15 jours avec lui. Et elle s'est fait une élève infirmière. Elle s'est fait malade. On l'a menée à l'hôpital. De l'hôpital, elle a porté plainte contre son mari. Elle a eu un divorce. Mais je ne l'ai pas mariée. Il paraît, hein? Il paraît que... Elle s'est mariée, maintenant elle a donné 7 enfants à deux. Mais nous gardons toujours notre frontière de frères. D'accord. Elle est ma sœur de 7 enfants. D'accord. Il paraît que vous aimez cuisiner, hein? Quel est le plat qui vous réussit le mieux? J'aime le kessar avec des rabes. Monsieur Mahadi, vous avez une famille nombreuse, hein? Déjà 31 enfants, 53 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Hein? Oui. Mashallah. Vous vous rappelez les prénoms de tous? J'ai eu les 31 enfants, dont les 21 sont vivantes. Je veux compter d'abord les femmes d'aujourd'hui. Ayana, Mahajir, Samira, Amina, Hawa, Khadija, Zahra, Zamzam, Fatma, Ambuja, Palmata. Mohamed Ahmed, Mohamed Atayib,
محمد حركة محمد سعيد محمد البشير عبد الله لمنا مستر تركي البشير Il y a sûrement un ou deux qui est plus dans votre cœur et qui s'occupe plus de vous. De qui s'agit-il? Ce sont les petits-fils de Touma et donc sont mon sang. Juste avant d'annoncer la suite, là, Monsieur Mahadir a aussi affirmé que la société d'aujourd'hui, ignorance et pauvreté, se sont mariés pour donner naissance à un enfant appelé égoïsme. Ah. Expliquez-nous cela. والفقر أخذ وز وسق ولد لم تأخذ وز محسود وريد أنا شنو هسه ما قدكم قايدة أنا كإني مليار وأختي ذا جالسة على نقل مهاجر أمس يا لي ما ناموا ولا قال لي أنتين 10,000 ولا قال لي أنتين 1,000 ريال ما قال يا لي ما ناموا خلينا نتي مليون نتي 100 ريال كمان نتيها لكن والله أنا وتيري ما جاء ودوان كهرباء ودخل بيت مشي انت تشيلها 500,000 في شهر مسكين بدون خدمه انا 10,000 ما تنتهي له وعندك ليه؟ ده عشان ده قلت لك الجهل والفقر اللي اخذه وده لبس غير اسمه حسود والحسود كمان قسم لنا دبلوم في قلوبنا المسكنه نسوم كل ده ميرسي ميرسي